Franck, comment s'est passée cette seconde semaine de préparation? Très bien. Ce qui est important, c'est que la majorité des joueurs s'entraînent régulièrement, à part deux qui font un travail adapté. On a eu tout l'effectif, donc c'est très bien. Comme ça, il n'y aura pas trop de différence entre tous les joueurs. Et l'avantage de cette semaine, c'est qu'on va finir cette semaine par notre premier match de préparation. Vous n'avez pas trop souffert de la chaleur, vous êtes adapté, j'imagine. Bon, c'est un peu, on est à Montpellier, on sait qu'il fait chaud, mais il faut toujours s'adapter un petit peu, ou comment ça a fonctionné? Oui, on a juste mis hier après-midi de récup. Après, on compte sur le professionnalisme de nos joueurs, tout simplement. Mais s'ils arrivent à enchaîner les séances, c'est qu'ils font bien leur travail. Mais c'est vrai qu'on s'adapte au mieux par rapport à ce paramètre-là qui est chez nous très important. Par rapport à ton époque de joueur, il y a des nouveautés aussi qui font qu'ils récupèrent mieux, il y a même du froid, de la cryo pour mieux récupérer par rapport à cette chaleur. Non, mais c'est sûr que par rapport à notre époque, ça n'a rien à voir. On n'avait pas les bains, on n'avait pas la cryo, il n'y avait pas autant de kinés. Donc le club met vraiment à disposition tout ce qu'il faut pour que les joueurs soient dans les meilleures dispositions. Par rapport à ce premier match de préparation, ce soir à Millau, à quoi on peut s'attendre? À 2-11 de départ par mi-temps, quelque chose comme ça? Oui, théoriquement, on a 24 joueurs disponibles pour jouer. Donc, les 24 vont jouer, donc certains 45, et puis il y aura 4 joueurs qui feront 22 minutes. C'est un premier test, hein. Vous avez beaucoup travaillé cette semaine. À quoi vous vous attendez ce soir? C'est déjà des petites mises en place ou c'est vraiment une mise en route sur le terrain face à une autre équipe? C'est déjà retrouver la compétition, même si c'est un match de préparation, c'est un match officiel, donc ça va faire du bien. Et puis de retrouver des repères collectifs, même si on a fait quelques oppositions cette semaine, à travers un adversaire, donc c'est toujours mieux que quand on joue entre nous. Il y aura la semaine aux USA après, ça sera peut-être des matchs un peu plus entre guillemets prestigieux. Vous allez vous préparer en fonction, ce sera toujours dans le cadre de la préparation, ce ne sera pas le résultat qui primera? Non, c'est sûr, c'est continuer à ce que les joueurs prennent des repères dans le système, surtout les nouveaux, il y a des jeunes aussi, et puis après continuer notre préparation pour arriver à une performance optimale lors du premier match de championnat. Comment le staff sent ce groupe qui était solidaire, dans la bonne humeur la saison dernière, ce qui nous avait amené à finir assez haut au classement? Est-ce qu'ils sont dans le même état d'esprit? Oui, pour l'instant ça va. La préparation en général, c'est un moment assez bon pour tout le monde, parce que tout le monde joue justement, même si sur la durée peut-être certains auront moins de temps de jeu. Mais il fait bon, on a envie de retrouver la forme, donc l'atmosphère est toujours très positive en préparation.